Ah, ça filme là? Oui, la caméra, quelle est? Check ça, check ça. Ouais, il nous dit au revoir à sa manière. Je viens de pleurer. Clay. Non, mais regardez toutes les valises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peut-être, 14, 15, 16, 17, 18. C'est énorme. Alors maman, t'es prête? Je suis prête pour l'embarquement. Tenez, ça. On marche sur le tapis rouge. Aïe, aïe, aïe. Donc là sont toutes nos valises. Oh là là. Oh là là, mais c'est abusé. On nous a beaucoup aidés, merci beaucoup. Tu vas où toi? Je vais chercher la soupe. Tu vas chercher la soupe? On y va. On y va ensemble. Au revoir papy. Allez. Donc voici notre maison, c'est notre tata qui a fait ça. Et après en fait on va rester 2 semaines en ville à N'Djamena, dans la capitale, et on va passer 1 semaine au village. Et là du coup on va aller faire un tour un petit peu là où on habite à côté. Donc là nous sommes à la recherche de jolis spots pour pouvoir faire de jolies photos. Je me sens trop gênée avec notre grosse caméra là, comme ça ils doivent se dire mais c'est quoi ça? On est arrivé en France, il faisait quoi? Moins 1. Vas-y frère, il faisait moins 4, et comme ça. 30 degrés. Bon là, t'as vu, on se promet, hein, tu connais. Les blettes, c'est d'art. Hein. T'es mal les lézards. Ah ouais. Hey, photographe, c'est moi, contactez-moi. Là, c'est moi le photographe, là, tu connais. Aïe. Ça c'est ma petite cousine. Elle est fan de Jaju, MHD, Nakamura et tout. Si vous passez par là, c'est une chanteuse et une danseuse, du coup n'hésitez pas à la prendre dans vos clips. Que j'ai eu ma cicatrice. Aïe, aïe. Ça, c'est ma tata qui m'a donné mon prénom Jinga. Pleurerai. Et maintenant, je pleure plus. Moi, je suis en train de manger criquet. 1, 2, 3. Non, fais 1, 2, 3. Vas-y, graille ça, mon gars. Ta tête, ça. Avant, je ramenais ça au collège. Les gens me disaient, mais elles sont pour qui cette sorcière? En vrai? Il y a de la sauce. Bon. Les criquets, c'est pas mon bain. Là, il s'agit, on va rentrer. On va faire quoi, Alpha? On va dormir. Ah ouais. On n'a pas la wifi aussi? Tiens! Alpha, prends-moi un criquet! Oui, t'es un bon Alpha! Kari, toi il est non? Ici là. Mais elle est trop belle. Elle s'appelle pas trop zoomée.
Bonjour. Donc là, on est venu à la soutenance de notre cousin, mais en fait, c'est blindé, genre, on peut pas rentrer, du coup, bah, on attend. Enfin, il en peut plus. Vous êtes en plus, vous aussi. Aïe, Pascal, souffre un peu ceci. Hein? Souffre un peu. On va du palais de justice. Ah, c'est passé quelque chose de grave. Hein. Eh, on a cru qu'on allait passer. Hein. Ouais. Dieu merci. C'est toi là. C'est à cause d'Alpha. Non, c'est ta faute. De base, c'était toi aussi. Hein. De base, c'était lui qui devait être devant la caméra. Ouais, après, lui, il t'a laissé. On savait pas, on savait pas, on savait pas. Bref, on va tout vous expliquer. Donc, nous allons vous raconter la fameuse story time. C'est une mini story time hein, d'ailleurs. Maman, il y a quelqu'un. On se remet dans le contexte. C'est moi. Non, c'est moi, je pars parce qu'après, on dit je pars jamais. Là, on était pour se rendre voir notre cousin. Mm-hmm. Ouais, notre cousin qui passait sur son concours de juriste devant bah, plein de gens et tout. Et du coup, nous, on était en voiture avec papa, notre chauffeur, Chris Alpha. Et notre chauffeur, il connaît le chat comme sa poche. Ouais, et du coup. Ouais, comme sa poche. Tu vois sa poche là. Elle connaît tout. Tu vois, là, il connaît les endroits carrément. Tu vois la carte d'Andorra là. Je suis c'est la carte. Bon, on s'en fiche. Oh là là. Non, je rigole. Nous sommes partis au fameux palais de justice et là-bas, on cherche, on voit qu'il n'y a personne, il n'y a, ouais. A pas d'événement, il n'y a personne. Et en fait, quand on est rentré dans le palais, et ben, à l'entrée, il y avait des gardes. Voilà, des gardes. Il y en avait trois. Ah, qui m'appelle ? Elle arrive, elle descend là. C'est bon là, ils sont en bas. Il t'a fait quoi là ? Hein ? Du coup, nous sommes partis. Il nous crie encore dessus. On nous a emmené vers le palais de justice et devant il y avait les gardes, il y avait des gens avec des matraques, enfin, voilà. C'était un truc sérieux. Et quand on est rentré dedans, bah, on voyait qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas des juristes, il n'y avait personne. On s'est dit, ah, c'est louche et tout, mais n'empêche, l'endroit était trop beau. Ouais. On nous sommes allés demander à des gens assis sur un. Fais une vidéo. On avait demandé à des gens assis ouais, sur ouais, des gens sont assis sur ouais. Un ouais. Si c'était là, ils nous ont dit non. Ici, on était je sais pas où. Ça fait gueule, elle avait repéré un endroit, c'était grave bien. Ouais, là, maintenant, elle dit à toi de se mettre, elle fait comment ça se met, elle commence à prendre un photo comme ça. J'étais vraiment discrète, tu vois, ouais, j'étais genre en mode, mets-toi comme ça. Eh, vous, ouais. Ouais, quand ils ont fait ça, moi j'ai fait la meuf, je me suis tournée, j'ai rien entendu. Ah, moi je suis restée, moi. J'étais grave une tablette. Non, mais pas, je suis partie. Ça a duré 2 minutes, même pas. Et du coup, il y a Chérif qui nous a dit, ouais, non, t'as pas le droit de prendre une photo et tout. Pourquoi il me l'avait pas dit avant lui aussi. Ouais, tu vois. Prendre des photos. Mais si j'ai une caméra comme ça, là, on dirait une grosse journaliste comme Après, du coup, ils nous ont appelés. Nous sommes allés. Papa, bah, il est tout de suite venu vers nous et tout. Ouais. Et du coup, on a commencé à avoir chaud. Parce qu'il y avait une arme. Ouais, ils étaient trois. Il y avait le patron, enfin le chef. Et genre, en gros, le gars, il me guettait. Moi aussi, je le regardais. Après, il a fait quoi? Il a fait, ouais, tu veux la boxe. Il a fait. De toute façon, toi, tu me rigoles. Oui, parce qu'en fait, il nous expliquait qu'en fait, on n'a pas le droit de prendre en vidéo, on n'a pas le droit de prendre en photo dans ces endroits. Je respecte, on savait pas du coup, bah, c'est pour ça que du coup, j'ai supprimé la photo devant eux. Mais en gros, on nous a fait comprendre que si on fait des trucs comme ça, qu'on soit fille, garçon, qu'on soit jeune, vieux, on peut partir en prison et on peut être dans la caca. Et peut... Moi, j'ai vu des arbres, je me suis dit, allez, aujourd'hui, ça allait être maman. Loin. Ah, ouais, lui, il était loin. Nous, on était là avec Alpha. Voilà, c'est la mini story time qui a pris 15 ans pour être dit. Oui. On va faire des petites photos, nous sommes samedi. Il est actuellement 14h. Aujourd'hui, journée un peu chargée. Bon, on s'est levé archi tard, genre vers midi et tout. On a 3 mariages de 3 tantes, voilà, qui se marient le même jour, mais pas au même endroit. Là, on est au premier, même pas qui c'est, hein. On a trop de famille, bah tout à l'heure, à d'autres mariages. C'est ce côté. Ça, c'était attends, chez mon papa. Bon. Moi, c'est ici où on est. Ouais. C'est là où vous nous avez coutumé. Audrey et moi. Oui. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans une voiture. Décembre et c'est la veille de Noël, du coup bon, cette vidéo sortira super en retard et on sera déjà en 2019, mais je tenais à vous souhaiter de joyeuses fêtes, profitez, mangez bien et voilà, enfin que des bonnes choses, que des good vibes.
Donc là, on va pas tarder à partir avec ma famille pour aller voir quelque chose de très important qui tient énormément à mon père. C'est son terrain, car ça fait 20 ans maintenant qu'il a ce terrain, mais il a pas pu faire grand chose. Du coup, nous allons le voir en famille avec notre oncle et tout ça. Il est actuellement bientôt 16h. Moi, pour info, j'étais en train de lire le livre The Hate You Give, que je vais bientôt finir d'ici avant la fin de semaine. Ce livre... Attendez, je vous le montre. Il est comme ça. Je vais aller voir le film le 9 janvier. En général, les gens ils disent que le livre est meilleur que le film. Voilà, de ce qu'on va faire aujourd'hui, de ce que j'ai fait tout à l'heure. Et juste, j'ai un truc à vous montrer. Genre, il y a 2 jours, j'ai découvert que j'avais des lézards dans ma chambre coincés en haut de ce truc. Là. Bon là on est le jour, du coup on peut pas voir. Mais ce soir je vais vous montrer, je vais mettre le flash. Et ça me fait trop peur parce que je les entends bouger. Je les entends vivre leur vie. Là vous voyez très bien. Vous voyez ici, c'est des pattes. Oh, on dirait des petites mains humaines. C'est bien, on peut faire une bête de villa. Notre objectif plus tard, c'est de construire pour nos parents parce qu'on a envie de leur récompenser. Ils méritent. C'est ce qu'ils ont fait pour nous. Là, ils sont là, les deux ingouingouins. Oh, banav, c'est quoi cette expression là, non utilisée depuis 1999? Ah ouais, mais là en fait, on est dans une autre dimension en fait. Et là, on s'envole. Là, tu fais la montagne. Comme les films sénégalais là, malgré ça. Nollywood. Là, on est Wakanda. Il y a un portail. Eh hey, vas-y, viens, on leur dit au pire. Eh, hey, un portail là-bas, et hey, tu vas. Ça bug. Merci beaucoup. Aïe, tu fais tout pour nous. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 décembre. Nous allons encore chez ta famille pour fêter Noël car ce n'est jamais fini. Tu m'as pris lunettes de soleil, j'aurais dû. Ça tape super fort au temps. Elle avait mes lunettes, oh là là, je l'aime. Tonton Joe. Ça c'est ma voiture. La seule Mercedes à Fort Lamy. En tout cas. En Demena. Zoïd. Ce soir, nous sommes invités au showcase privé de Dadju. Donc là, nous sommes arrêtés. Il y a une queue énorme. Ah, on vous retrouve quand on sera dedans. On est chez le frère de papa et il a une très 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 grande maison. Il a dit. Ten 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 ten. Eh, il s'est passé un truc, les gars. Donc là, on a une nouvelle story time à vous raconter. Ah, Moïse. Allez, c'est à toi. Ah, du condo. Merci. Tu vois, t'es saoulé. Hein? Ça soule. Non, non.
Je suis allé en bail. Quand on est en train de se faire, on est en train de se faire. Aïe, 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 aïe. Un petit culon, on est en train de se faire. Wouh, je suis là. Comme ça, tu racontes avec Moïse. Coucou les enfants, je suis en boubou, je suis trop bien. Hier, on était dans le bus et on était arrivé à Mondou. Il n'y avait même pas de pause au fait. Le chauffeur nous avait rien dit. Du coup, ils sont descendus avec mon mari et puis ils sont allés se soulager au fait. Je peux dire ça. Le temps qu'ils arrivent, le chauffeur il a démarré, il est parti. Très très loin. J'étais dans le bus. J'ai couru vers le chauffeur, je disais Agif. Il y a mon mari et mon fils qui sont restés derrière. Il voulait pas entendre. Il s'en foutait, mais vraiment. Pas et papa, son téléphone, au lieu de s'inquiéter pour lui. Voilà, au lieu de s'inquiéter, il y avait son sac avec tous ses documents. Du coup, il a dit Quand Audrey, elle est Alpha de haut, sac l'homme là, là, de haut, à demain. Oh, dis à Alpha de surveiller bien mon sac. Du coup, voilà qu'il s'inquiète pour nous. Nous, on s'inquiète pour lui. Il avait la trouille, mais c'était plus son sac au fait. C'était trop marrant. Et vous avez fait quoi, vous, pendant ce temps? On a trouvé un gars que je l'avais prévenu de dire au chauffeur. Bon, c'était lui en fait. Je lui ai dit au chauffeur que quand on a venu sur le monte le bus, il nous a dit Ok, on était allé sur la gîte, on revient tout vite. Non, le bus est passé. Dans ce cas, voilà. On a monté dans notre bus de STL. Il nous a amené et on s'est arrêté en route. Ouais. On est monté le bus pour venir. Mais le chauffeur, prochainement, je te dis, ils sont pas compris. Tu m'écoutes, faut que ce soit compréhensif. Franchement, mais eux, il n'y a pas de loi. Fiche, mais complètement. Dans Fast and Furious, genre. Ouais. En plus, le bus ici, c'est lui, il roule à 10 km. Il roule à 100 km. Ah, c'est un manège. Ça fait des montagnes rouges et tout, mon dos. Et ça pendant 15 heures. Mais c'est une expérience. Et maman, tu as oublié, non? De quoi? Tu dois te coigner la tête. Non, il y avait les montagnes russes, du coup je me suis coignée. J'avais super mal. Et là on est arrivé. Donc. On va continuer encore dans un village. Là c'est un village car au moins il n'y a pas de confort. Il n'y a rien, c'est Koh Lanta, c'est pire que Koh Lanta. Du coup voilà. Des cases. On s'adapte pour sortir du confort et voilà. À très et vite, ouais. On se reverra les enfants. Bisous, on vous aime. Mais on continue. Oh, c'est un arbre mystique, c'est gros, c'est géant, il y a tout ça dedans, il y a l'esprit démoniaque. Ça peut te venger, il est familier, mais quand tu n'es pas une mauvaise personne, il peut te manger. Il avalait beaucoup de gens qui te tuent. Ouais, je peux monter. Mira, attention. En fait, ça ressemble à l'arbre de Kirikou. Oh, mais tu vas pas me voir. Non, monte pas en haut, c'est dangereux. Ah, il y a plein de lézards. Vas-y, descends, Moïse. Tu vas sauter? Oui. Mira, toi. Ah! Ouh! Ça va? Non, ça va pas. Donc là, nous sommes au centre de l'Afrique. Genre, c'est ça. Ça se trouve à Sarre et c'est le centre de l'Afrique. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. What's your name? How are you? No. What time is it? Bon, même pas. Sinon... It's okay. Nous aussi, on parle français. Non, français. Habla espagnol? Non, pas du tout. Rien que le français. Yo, donc là, nous partons de Sarre et nous allons au village. On est chargé comme jamais. On a combien d'heures de route? 5 heures, je crois. Hein? Merci beaucoup. D'accord. Merci, Toto. Dites beaucoup de choses. Oui. Au village. Merci, Toto. Dites-leur que nous sommes là. Oui. On va passer la matinée dans la voiture. Ok, on t'attend, on arrive. Hein. Même moi, mes cheveux, c'est du n'importe quoi. Là. Bref. Quand nos cheveux gâtent, c'est que c'est la fin des voyages. Ça va? Ça va bien.
Donc ici, c'est la chambre de mes petits frères et mes cousins. Il est plus grand que la porte. Donc là, on a déjà passé une nuit, mais on va juste vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Hier soir, on est arrivé. Déjà, nous, faut savoir que c'est la première fois. Enfin, moi, personnellement, c'est la première fois que je viens ici. Donc, en gros, l'hygiène, tout ça, faut mettre de côté. Bah, vous êtes venus à 5 ans quand même. Ouais, mais on s'en rappelle plus. Disons que nous sommes tous les trois nouveaux. Bah, l'hygiène, c'est pas facile. On avait faim, on avait soif. En plus, la nuit, elle tombe vite. Ah, pas d'électricité. Ouf. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. J'ai trop de mouches ici, là. Voyez Koh-Lanta. Et du coup, ce qui s'est passé hier soir, déjà, qu'on est arrivé, il y a eu plein d'enfants qui étaient autour de nous. Du coup, ça nous a grave fait plaisir. Ensuite, pour la douche, très compliqué. On a dû se laver comme ça, avec l'eau. C'est dire, hein. L'eau et le seau, genre. Mais il s'est passé quelque chose qui nous a un peu déçus. C'est parce qu'en fait, on était en train de jouer avec nos cousins et cousines à des jeux, je sais pas. Genre, quand ils étaient petits et tout. C'est ça, genre, vous savez, quand on tape dans les mains, un éléphant qui se balance. Là, il y a plein de petits derrière. On avait fait quoi? T'avais un moustique. Le jeu des devinettes. Et c'est pas, il y a eu un groupe de villageois qui arrive vers nous, genre des grands, et qui commencent à. Parce que, en fait, moi, je comprends. T'es frustré, en fait. C'est ça. Du coup, on était en train de jouer tranquillement et ils commençaient à dire, genre, en mode. Parle en bail. Vous êtes là, vous venez de France et tout, non, enfin bref, en gros, ils étaient frustrés, ils commençaient un peu à nous dénigrer. Et à un moment, il y avait quelqu'un qui avait balancé une chaussure à maman. Maman, ça, elle a commencé à se vénérer. Du coup, il y avait une tension. Non, mais en fait, il a pas fait exprès, c'était un petit, c'était un enfant. C'est après qu'on a su qu'il avait pas fait exprès. Ouais. Mais il s'est pas excusé, tu vois ce que je veux dire. Du coup, nous, on était en train de jouer ici. Eux, ils étaient genre juste derrière nous, en train de nous regarder, en train de nous insulter, enfin, de nous tailler, tu vois. Mais après, il y a notre cousin Moïse et papa qui étaient venus aussi, qui ont commencé à dire, mais si vous voulez, venez jouer avec nous en bail, tout ça. Et du coup, après, au final, on a tous joué ensemble. Après, c'est la fête, hein, quand même. Après, on s'est amusé et tout. Regardez, quand on tournait la vidéo, il y avait plein d'enfants qui étaient là. Bon, là on est au village de notre grand-mère, du côté de maman. La fatigue m'épuise. Elle a pris 25 kilos sur sa tête. Wow, genre. Mes anciennes paires, ça c'était en U11. Ah, j'ai fait du sale avec ça. Dommage. Ça va. Ça te va? Avec ça, t'es obligé d'être fort. Hein. Merci. Donc là, c'est la préparation de la boule. Quelle force, quelle maîtrise. Elle s'appelle Gloria, comme moi. Bon, là on est le matin et c'est moi qui filme parce que Gloria est fatiguée. On va bientôt partir et là on est chez une tata. Mais elle nous retient, faut pas nous manger. Merci Tanti. What's up, donc aujourd'hui c'est le dernier jour à Djamena. Tu fais une vidéo? Ouais. Ça va Tanti? Elle est trop belle. Regardez-la. Oh my god. Papa, vous allez manquer. Vous aussi. Là c'est ma grand-mère. Regardez comme elle est jeune. La grand-mère fashion. En tout cas, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire les filles? Là, se balader. On se balader. On va au cimetière pour voir Pour dire bonjour aux gens qui sont là-bas. Parce qu'ils sont pleins là-bas. Non, en vrai, on va voir ma grand-mère, la mère de ma mère. Uh-huh. Et après nous allons faire des petites courses. Et moi je vais prendre des petits cadeaux pour mes amis. Cheese. Donc voilà, à toutes. Donc là on est en train de faire des petites courses. J'ai pris des petits cadeaux pour la team LA, pour mon meilleur ami et pour d'autres potes et tout. Donc voilà, il y a vraiment des trucs super jolis. C'est cher, mais ma grand-mère là, elle arrive à négocier. Là. Et Chris et Alpha, ils ont acheté une bague. Et fais voir toi Chris. Joli. Et moi j'ai pris des manchettes. Ça fait un petit peu égyptien et tout et je suis contente parce que ça vient du Tchad. Donc quand je mettrai ça, j'aurai toujours une pensée pour mon pays. Ça pète hein. Ça pète. T'as pris un porte-clés? C'est joli. Merci. Donc là on profite de notre dernière heure à Djamena. Et on prend plein de photos en famille avec notre grand-mère, notre tata, papa, maman et mes frères. Ouh, je suis trop petite. Va aller manger la soupe. Hein.
chitchat pour faire quelques photos. Là, on se retrouve au marché pour faire des petites courses, enfin, encore les petites dernières courses. Aujourd'hui, c'est le départ. Vous allez tous nous manquer. Dieu vous accompagne. Dieu vous accompagne. Donc là, les gens ont gros soucis, il n'y a plus d'essence. La voiture s'est arrêtée en pleine route et... Je vais vérifier si je trouve pas celle que tu m'as pas remis. Et je trouve pas mon passeport, on l'a perdu ou alors on l'a laissé chez ma tata. Yeah, I learned the game from William Wesley, you can never check.